Eh bien oui, vous êtes en compagnie de Jeannot. J'ai profité pour faire un petit reportage pour vous parler de ce qui s'était passé entre la rue Van Tab et Victor Hugo à Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire l'incendie qui a ravagé 17 maisons. Donc on peut constater, on peut voir les images, les dégâts qui se sont passés. Donc j'ai profité pour parler un petit peu avec les riverains et aussi les habitants du quartier. Ils m'ont aussi dit que il y avait des prostituées dans la maison où le feu a débuté. Donc voici précisément par ici. Donc ils m'ont aussi dit que la municipalité aussi avait plus ou moins nettoyé les lieux. Elle était venue auparavant et comme elle ne voulait pas que les prostituées restent, donc ils avaient plus ou moins versé un certain liquide. Et que le jour de l'incendie, les pompiers n'avaient pas beaucoup d'eau, enfin ils n'avaient pas du tout d'eau, il n'y avait pas de pression. Ils ont dû aller jusqu'à 150 mètres, de 200 mètres, afin de récupérer l'eau. Donc voilà les images et les dégâts qui se sont passés dans l'incendie Van Tab Victor Hugo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.